Bienvenue sur la meilleure chaîne de divertissement et de buzz. Aujourd'hui, nous parlons de Lady Ponce et de Coco Lago. Avant tout, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Vraiment. Du moment où tu fais entrer ton ami dans la maison, sache que même tes secrets ne seront plus des secrets. Tout le monde serait au courant. Ça déjà. Ça, c'est quelque chose déjà que je voudrais te faire comprendre. Hé, hey, maman, ne bois pas encore. Qui est encore quoi entre Lady Ponce et Coco Lago? Ce qui concerne Lady Ponce et Coco Lago. Maman, parlons, dis-nous. C'est ça qu'on veut savoir. Je vais donner mon point de vue, mais je vais plus parler à Lady. Ok, vas-y. Lady, ce problème, ce qui arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Pourquoi? Quand on est une maman célibataire, avec plusieurs enfants, des pères différents. Ah. Et que tu es le seul pilier de tes enfants. Il y a des choses que tu devrais faire. Tu devrais parfois faire la part des choses. Qu'est-ce qu'elle n'a pas donc su faire? Lady, quand le Covid a commencé ici en France très très fort, Macron avait dit ceci. Que toute personne qui veut rentrer en France, il doit rentrer parce qu'il va fermer les frontières. C'est vrai. Lady pense, pourquoi t'es pas rentrée pour s'occuper de tes enfants? En sachant qu'entre-temps, il n'y avait pas de concert. Point d'interrogation. Tu n'es pas rentré. Tu as préféré confier tes enfants à Coco Lago. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Pourquoi? Parce que tu avais confiance en elle. Vous aimez voir avec les yeux? Ouais, je demandais. La femme, elle n'aime pas ses enfants. Une femme qui tient à ses enfants, je ne vais pas douter de ton amour pour tes enfants. Mais je dis une femme qui tient à ses enfants n'aurait pas fait ça. Ouais, la mère, comment tu trouves le comportement de Lady? Les mots me manquent. Imaginez un peu. Ah, je vois. Et toi, grand-mère? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Ah, ok, maman. Ma soeur, continue. Tu as laissé Coco Lago s'occuper de tes enfants. C'est la maladie. Quand il faut amener tes enfants à l'école, soit si tes enfants doivent faire quoi que ce soit, même si les enfants tombent malades, c'est Coco Lago. Vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux, la mère. Tu étais où? Point d'interrogation. Tu l'as confié ta vie. Ça veut dire la vie de tes enfants. J'ai une famille. Tu dois savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Tu dois faire attention à tout ce que tu dois faire. Parce que tu es une personne publique. Qu'est-ce qui n'a pas dommagé? Tu as mis, moi je dirais ta copine. Je ne vais pas dire ta copine dans la maison. Il y a des choses qui n'allaient pas à un moment donné. Petit. Il y a des choses qui n'allaient pas. Tu l'as confié la vie de tes enfants. Entre temps, toi tu as préféré te pavaner au Cameroun, faire ta vie, faire des choses. Non! Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Ouah! Et dis, Coco, dis-nous vraiment ce qui n'a pas marché avant que tout se retrouve sur la toile. C'est pour ça que j'ai dit à Lady que Lady, cette maison, j'ai nettoyé avec mes mains. Cette maison, j'ai mis mon âme dans cette maison. Quoi? Cette maison, j'ai mis mon âme dans cette maison. Hé, hey, mon frère! Ha, ha. Hé, hey, Lango, ça veut encore dire quoi? Tu as laissé ton âme dans la maison là? Parce que personne. Même pas ta propre soeur, même pas ta propre père, même pas ta propre, ton propre frère. Personne de ta famille ne l'a fait. Faire quoi? Tes enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. What? C'est souillant, hein? C'est très souillant. Ah ça, les types, regarde comment on te rend rien, hein? Et je suis arrivée, j'ai vécu là. Je n'ai vu personne de ta famille. Pendant le Covid, j'étais seule avec tes enfants. Oh, c'est pitié incroyable! Je n'ai même pas reçu un coup de fil de quelqu'un qui m'a appelé. C'est pas possible. Tu parles que tu as les gens, que tu as la famille. On abandonne comme ça. Une femme, une inconnue, une femme qu'on dit qu'elle est méchante, elle est si, ça, 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 ça. On l'abandonne comme ça avec les enfants. Vous allez voir! Maman, on ne veut pas trop de discours. Dis-nous vraiment le fond de ce problème. C'est quoi le fond de ce problème? Son fils dit qu'il fête son anniversaire. Cédric. On dit ok, l'enfant fête l'anniversaire. Cet enfant a fait un anniversaire de 2 semaines. 24 heures sur 24. 2 semaines. Même les enfants de Bongali, Bongo, je n'ai jamais entendu que ils font les anniversaires de 2 semaines. Ah, pendant 2 semaines, les copains qui arrivent du 7-8, des muraux. Et il y avait un problème à ça. De tous les quartiers chauds, là. Là, à la maison. Et quand ils viennent là, comme ça, là, ils sont peut-être 20. Quoi? Ils ne restent pas là. Ils sortent. Ils vont dans Montargis chercher les problèmes aux petits jeunes là-bas. En fait, ils s'introduisent dans les fêtes des gens. Et tout, et ils arrivent là-bas, ils commencent à vendre leur petite boule et ça déclenche toujours les bagarres. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Ah!
Coco, tu dis quoi? J'ai eu 9 policiers cagoulés. Je viens d'aller tout dénoncer à la police là. Parti. Donc le gars et ses amis faisaient des trafics. Vous avez vu certaines vidéos que j'ai publiées et tout. La maison était le temple de tout ça. Les femmes. Le gars dort avec les femmes dans le lit de sa mère. Hey! Pourquoi? Le gars dort avec les femmes dans le lit de sa mère. Je ne veux pas entendre les sottises. On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. Je suis allée dire à la police ce soir que ton fils est le chef de gang. Que ton fils, c'est lui et ses amis qui ont volé, qui ont brûlé cette voiture. Que ton fils et ses amis ont organisé une escroquerie pour extorquer 20 000 euros à ton ex-copain, soi-disant que les bandits là allaient venir nous tuer, ils allaient venir nous manger, les yakuza et tout et tout. J'ai les témoignages de tout ça. J'ai les trucs dans mon téléphone. Je peux même aller à Montargis. J'ai dit aux policiers là, c'est même pas que je peux. Je vais aller à Montargis. Je connais où le père des Yakuza habite. Je vais indiquer, ils vont aller le chercher. Bon, ça va. On a compris, non? Les fans, à demain pour un nouveau buzz. Hein. Les histoires des femmes sont toujours un genre là. C'est toujours digne d'un film Nollywood, d'un film nigérien Nollywood là. Espèce de caca de porc. Ils étaient à 5 personnes contre moi-même, moi seul. Ils m'ont tabassé jusqu'à que j'ai scié dans mon habit. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.